France 3, avec Monsieur Bricolage, vous souhaite une très bonne année. Grande, superbe et belle année 1998 à tous et à toutes. Demain, que se passera-t-il? Eh bien, nous aurons encore le passage d'une perturbation côté météorologie. Vous voyez l'animation satellite européenne avec cette masse nuageuse qui traverse le pays. Regardez comme elle va vite, elle a gagné la Bretagne, etc. à l'intérieur. Et derrière, il y a un ciel de traîne. Et là, encore derrière, une nouvelle perturbation. Ciel de traîne, ça veut dire eh bien, nuages et éclaircies. Prévision de Météo France pour demain matin, voilà la carte. Attention, du nord-est jusqu'à la Méditerranée, ce sera un ciel gris. Plus que gris même, et avec des précipitations assez denses, surtout sur les Cévennes, soyez extrêmement prudents. Sur la Corse, ce sera un régime d'averses et d'éclaircies. Le vent va souffler à 50 km à l'heure sur la côte varoise. À l'arrière, un ciel sympathique, mais assez nuageux quand même, avec des apparitions du soleil par-ci, par-là. Près des côtes de la Manche, quelques averses, et puis l'apparition d'une nouvelle perturbation sur la façade ouest, sur le Finistère, avec du vent qui soufflera là en rafale à 80 km à l'heure. Évolution de ce temps en cours de journée avec cette carte. On retrouvera sur le sud-est et le centre-est la précédente perturbation qui continue son évacuation vers l'Italie. Du nord-est jusqu'à la chaîne pyrénéenne, ce sera comme le matin, un ciel acceptable avec de belles apparitions du soleil, mais beaucoup de nuages. Et puis, du nord-Pas-de-Calais jusqu'au littoral atlantique, ce sera les prémices de l'arrivée de la nouvelle perturbation, avec un ciel agréable parfois, mais extrêmement nuageux autrement. Le vent soufflera là, en rafale sur la côte atlantique à 80 km à l'heure, 80 km à l'heure également sur la Bretagne et la Normandie, dans l'intérieur. Car sur la côte bretonne, là, sur le Finistère, le vent soufflera jusqu'à 110 km à l'heure demain. Et il y aura des précipitations assez denses. Alors, les températures matinales, eh bien, elles seront proches des normales saisonnières, de 2 à 3 degrés quand même supérieurs encore. 3 degrés à Bourges et jusqu'à 10 degrés pour Bastia, la ville la plus chaude de la journée. 8 pour Marseille, 7 pour Biarritz, 5 pour Brest, 5 pour Paris et 4 pour Lille. Celle de l'après-midi, stable, toujours de 3 à 4 degrés supérieurs aux normales saisonnières. Entre 6 et 9 degrés pour le nord-est, jusqu'à 16 degrés pour Bastia, 14 pour Marseille, 12 pour Perpignan, 12 pour Biarritz, pour Bordeaux également, 10 pour Paris, 11 pour Brest, 9 pour Lille et 9 pour Strasbourg. Allez, je vous souhaite une belle soirée, enfin une belle nuit. Elle est bien entamée. Une belle nuit en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter le nouvel an, certes, on vient de le faire, mais également les maris. C'était la météo avec Monsieur Bricolage.